Si on voit ici avec donc in the second half was their half. So I think la seconde mi-temps a été leur période. Donc je pense que le score de 1 partout reflète bien le fait qu'il y a eu une mi-temps pour Chelsea et une mi-temps pour Paris. If you go to chances created and the goalkeeper's performance. Mais si vous regardez les occasions de but et la performance des gardiens, alors il faut être honnête et dire qu'ils en ont eu plus que nous. Donc si quelqu'un était plus proche de la victoire ce soir, c'est Paris et non pas Chelsea. Le score ne nous est pas favorable, bien sûr, mais moi, ce que je retiens, c'est le match, quoi, l'analyse du match. Je suis extrêmement content de mon équipe, des joueurs, de l'état d'esprit démontré. C'est quasiment le match que l'on voulait faire. Il n'y a que le mot « quasi » qu'il faut regretter, dans la mesure où c'est le but que l'on prend qui, malheureusement, ne nous permet pas de réaliser ce qu'on voulait faire. Je pense que notre match de ce soir était meilleur que celui de l'année dernière. Je pense que Chelsea a été vraiment quasiment inexistant offensivement ce soir. Il n'y a qu'à lire les stats, puisque le seul tir cadré ou la seule tête cadrée a été malheureusement pour nous le but que l'on a concédé. Mais après, on a pratiquement rien concédé, quoi. Donc ça, c'est intéressant. On a eu beaucoup plus d'occasions de marquer qu'eux. On en marque qu'un, mais je pense que le match était bon. On a réalisé un très bon match tactiquement. Au début, on les respectait un peu trop. Mais une fois qu'on a perdu un peu ce respect, on a commencé à dérouler notre jeu. Je pense aussi que leur gardien a réalisé un énorme match. Et on ne peut pas lui enlever ça. Okay.